Coucou mes bobos d'amour, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Oups, j'ai oublié quelque chose. Je suis de retour, le bol tibétain. Eh oui. Oui, je sais. Là, je fais pyjama tigresse. Non, zèbre, pardon. Je suis pas très sexy, mais comme je vous ai toujours dit, je m'en fous. Voilà. Bon, ben aujourd'hui, vous avez bonne guidance. Je la fais que ce soir, disons. Hier, j'avais du monde. Et donc, j'ai. Après, ben voilà, quoi. J'ai eu mon papa à la maison, donc j'ai profité de mon papa. Et voilà, j'en suis heureuse. Et donc, je fais la guidance ce soir, comme prévu, puisque mes énergies sont plus fortes le soir que dans la journée. Voilà, même si j'ai une tête de déterré, hier, j'étais pas en état de vous faire une guidance. Voilà. Donc, imaginez si j'ai cette tête, hier, la tête que je pouvais avoir. Bon, sur ce, installez-vous bien, correctement, paisiblement, avec beaucoup de joie, thé, café, à votre santé. C'est que de l'eau, vous inquiétez pas. Et avec le petit plaid, faites comme moi. Je suis toujours à mon plaid style Noël, mais comme c'est dans la décoration de mon salon marocain, eh ben, il est très très bien comme ça. Et voilà quoi. Mais ben, vous mangez même les bonbons, les chocolats, tout ce que vous voulez. Hein. Je vous dirai jamais rien. Faites-vous plaisir, on n'a qu'une vie. Allez, on va enlever les mauvaises énergies comme d'habitude avec le bol tibétain. Et voilà quoi. C'est bol tibétain la Saint-Valentin. Hein, de. Voilà. Je l'avais déjà dit, je sais pas si j'avais trouvé ça sympa, que j'en voulais un depuis longtemps, et c'était une promotion de Saint-Valentin sur Cdiscount. Voilà. Je n'ai pas le droit de faire de pub, mais c'est pas grave, je la fais quand même. Ou c'est peut-être Amazon. Non, Cdiscount. Je crois, je suis pas sûre. Peut-être Amazon. Oh, de toute façon, peu importe. J'entends mon fils rigoler par derrière parce que j'ai fait le bol tibétain. Il fait ding, ding, ding. Vous l'entendez pas, mais moi je l'entends. Je vais essayer de parler un peu plus fort parce qu'on m'a dit que des fois on m'entendait pas. Donc, comme je n'ai pas de micro supplémentaire, alors si des fois je parlais doucement, c'est parce que je ne voulais pas déranger mon fils. Et ben voilà, on va déranger mon fils. Ce n'est pas grave. Heureusement qu'il travaille cet après-midi. L'après-midi, pardon. Ouh, c'est le soir et je dis cet après-midi. Ça va pas du tout. Allez, s'il vous plaît. 2, 4, 3. Waouh. Écoute ton intuition. Partage des moments d'amitié et laisse s'envoler le passé pour illuminer ton cœur. Ah ben c'est. C'est beau. Donc, pensez au présent surtout. Voilà, hein, je vous les montre. Hein. Téléphonez aux copines, ça va vous faire du bien. Mettez de la musique et laissez le passé. Voilà. Donc, allez, on va les mettre de côté, les portes de l'intuition. Donc, désolée si je vous annonce de laisser le passé. Hein. De toute façon, je pense que tout le monde a quelque chose à laisser dans la vie, donc que ce soit en amour ou quelque chose, des fois il y a des choses qui nous font penser à notre un de nos ex, n'importe. Je glisse. Et donc voilà, donc on repense des fois au passé sans le vouloir. Donc on vous dit sûrement d'enlever les mauvaises énergies. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. C'est déjà sorti, déjà, le transmutateur. La transmutation. Là, je fais gaffe sur gaffe. J'aurais dû rester couché, vous dire. Pourtant, j'étais emmenée à faire une guidance. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Ça faisait une heure que je me disais.
J'y vais pas parce qu'on me disait, allez, il faut que tu te... Mais bon. Même déjà hier, mais j'avais pas la force. Tu vois, le cadeau pour certains et les projections, donc... Ah oui, pensez ce que vous voulez, hein. Il y en a qui vont se regarder enfin dans le miroir, peut-être. Allez, pour mes petits boubous d'amour. En tout cas, j'espère que vous avez passé un beau week-end. Bouclier. Carrefour. Fatalité. Non, je dis les cartes parce que... Distance. On va voir hein, ce que ça va donner. Je fais la première ligne et après je vous dis ce que je vois déjà. Essayez de me rapprocher du téléphone pour qu'on m'entende un peu mieux. Culpabilité. Pour avoir de la tranquillité. Mais bon, ça c'est... Elle est restée sur la table, donc je la prends pas, mais c'est seulement un indice en plus. Évolution. Encore une. Ce tirage, je sens qu'il va me donner mal à la tête. Je le sens. Parce que les cartes ne me plaisent pas du tout, donc je vais devoir réfléchir à fond. Je veux dire, bonne nuit tout le monde. Je vais vous débrouiller avec le jeu ce soir. Voyage. D'accord, donc il va vraiment me donner mal à la tête. Bon, alors, je vois que certaines personnes se sont protégées suite à un carrefour à prendre. Et le choix, pour certains, a été très dur. Excusez-moi. Beaucoup de décisions. Vous avez calculé toutes les possibilités à prendre, mais peut-être pas les bonnes. Bon, après, chacun son truc. Et il vous arrive la fatalité. Bon, la fatalité n'est pas mauvaise, ni bonne. Ça dépend des cartes qui sont à côté. La fatalité, c'est qu'il y a une distance avec une personne qui vous fait prendre un choix qui est peut-être pas le bon et vous vous sentez coupable. On vous accuse de quelque chose. Quoi? Je ne sais pas. On va voir avec les autres cartes. Mais déjà, je vous parle de celle-ci. Mais par contre, ça va aller sur une évolution. Sur, a priori, un voyage. Donc, un voyage, ça peut... Alors, c'est peut-être qu'il y a eu... alors, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une distance, vous vous êtes senti coupable, vous allez vous voulu évoluer et aller vers un voyage. Mais peut-être que la fatalité a fait que ce voyage n'a pas eu lieu. Donc on va voir les autres cartes et je vous dis. Cadeau. Travail. Boomerang. Qui est en dessous de la fatalité. Donc je précise. Cadeau en dessous du bouclier. Travail en dessous du carrefour. Donc après, moi, on lit en croix, en plein de choses. Donc. Retard. En dessous de la distance. Oups, tombé. Clairvoyance en dessous de la culpabilité.
Retour en dessous de l'évolution. Vous êtes protégé par rapport au travail qui a été une fatalité parce que vous n'avez pas peut-être plus de travail et qu'il y a eu du retard. Donc peut-être manque d'argent, ce qui se retrouve à la fin et ce qui expliquerait peut-être un peu le tout. Le cadeau, c'est que vous êtes à un carrefour où vous avez été à un carrefour suite à une séparation, disons retour, boomerang, c'est retour d'une séparation. Suite à une distance, mais vous êtes clairvoyant. Et vous savez et que vous devez voyager. Le voyage a peut-être été interrompu et ça a été peut-être un cadeau aussi et de pouvoir prendre ce carrefour. Parce que peut-être qu'il y avait d'abord des décisions et par rapport à l'argent qui est en dessous du voyage, peut-être que ça vous a posé des problèmes. Ce que je vois, vous allez quand même avoir une évolution. Point de vue du travail, ce qui va vous ramener de l'argent après et qui va pouvoir vous permettre de faire le retour au voyage. Allez bien ma boulette. Après, c'est sûr que vous avez le boomerang suite à une séparation dont vous avez a priori tourné le dos puisqu'il y a eu un carrefour. Pour vous, vous l'avez pris pour un... C'est peut-être un cadeau hein, du destin qui a fait que ça a été une fatalité, mais c'est peut-être... Disons, la fatalité en vérité, c'est que vous êtes a priori séparés suite au carrefour. Le cadeau, c'est surtout, vous risquez logiquement, vous allez vous retrouver avec cette personne avec qui vous avez de la distance. Pardon, je me suis mal exprimée. Vous êtes clairvoyant que vous c'est l'être aimé et que vous devez évoluer avec cette personne. Pour qu'il y ait un retour affectif et bien sûr ça sera suite à une rentrée d'argent et où vous pourrez vous rejoindre puisqu'il y a de la distance. Le retard bien sûr ça a donné la fatalité, la culpabilité à votre amour, ça c'est sûr, et aussi au travail que vous aviez. Alors le travail ça peut être aussi travail sur le travail à faire point de vue amour aussi hein, où vous êtes protégé, peut-être que vous avez eu des disputes, peut-être des malentendus parce que justement ben, suite à cet argent, le problème d'argent, peut-être ça vous a mis des malentendus dans votre couple et peut-être aussi que vous avez voulu protéger aussi, ne pas dire. Parce que peut-être vous avez votre fierté, votre ego, c'est pas ressorti. Hein. Mais ça, je le dis en plus, c'est mes ressentis. Et que vous n'avez pas voulu peut-être le dire. Ce qu'il y a, c'est que la fatalité, vous avez perdu cette personne, quelque part, à cause de la distance. Vous avez pris ce carrefour de la distance, vous avez culpabilisé, bon, c'est un fait. Le tout, c'est que ça s'arrange. Que ça s'arrange ou que vous preniez une bonne décision pour que tout le monde arrête de souffrir. Le retard vous donne de la culpabilité, bien sûr, suite à ce retour et le problème de ce voyage que vous n'avez peut-être pas pu faire. La clairvoyance, c'est que vous savez que vous êtes, vous devez, vous êtes à distance, vous aimez toujours cette personne avec qui vous avez pris un carrefour. Et vous savez que cette personne a été un cadeau pour vous. Elle a été menée sur votre destin. C'est pour ça qu'il y a la carte de la fatalité pardon, qui est sortie, parce que c'est vous l'avez rencontrée sur votre chemin.
Vous savez, la clairvoyance vous montre que vous devez évoluer. Et en évoluant, tout logiquement, on va rentrer dans l'ordre. Donc, ce qui est situation du retour affectif, mais du retour aussi de l'argent. Le retour aussi doit être travaillé parce que ça vous donne beaucoup de culpabilité tant que vous ne retournez pas vers cette personne. Et vous savez que vous avez un voyage à faire. C'est vrai qu'en attendant, il vous manque de l'argent. Vous êtes en retard par rapport à ça. L'argent reviendra avec une évolution, ça c'est sûr. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un peu difficile. Donc, on va voir. Le temps. Alors, peut-être que le temps est un cadeau aussi pour faire réfléchir votre autre, pour voir qu'en vérité, il a pris le mauvais chemin. Donc, il n'y a pas de notion de temps, vérité, dans tout ce qui est justice divine. Et bah après, c'est plus ou moins long. Famille. Donc, avec le temps, vous avez travaillé sur la famille. Et c'est un travail que vous devez faire. Vous voyez, donc, j'ai voulu... Je pense que vous avez pris un cas. Vous n'avez pas décidé de prendre. Moi, ce que je vois là, c'est à force des cartes qui évoluent, je pense que vous avez pas rejoint l'être aimé, peut-être à cause de situations de famille. Vous devez travailler dessus. Bon, sûrement que la personne est à distance. Et que vous culpabilisez par rapport à la famille. Bon, il y a les joies suite au boomerang après la séparation. Donc, vous allez avoir de la joie en famille avec le temps. Joie peut-être de créer une famille. Au moins, de vous retrouver à deux. À deux, c'est faire une famille quelque part. Voilà. Après, des fois, il y a des familles recomposées. Des fois, vous pouvez faire une famille... avoir une grossesse plus tard ou n'importe, mais vous allez avoir cette joie. Même si c'est avec le retard et le travail, parce que je pense que vous êtes protégé par rapport à tout ce travail, le carrefour qui était à prendre, et que ben vous devez travailler dessus. Amitié. Le retard a été dû aussi peut-être par rapport à des relations amicales, ce qui vous a mis encore plus de distance. Vous avez de la, votre autre le sait, et c'est pour ça qu'il doit évoluer par rapport à ça, parce que ça bloque le retour. Vous avez de la chance. Donc, vous savez que c'est votre autre. Pour moi, puisque vous avez la clairvoyance, vous savez que c'est votre autre. Vous avez de la chance suite au retard de la fatalité, le retour, le voyage. Donc, vu comme j'interprète, il y aura peut-être une autre invitation à un voyage. Oui, ou c'est la personne qui viendra vous voir. En tout cas, vous avez le retour à la correspondance suite surtout à des accusations par rapport au voyage argent. Donc, en vérité, les accusations, c'est peut-être... Mais si vous n'avez pas parlé, la personne ne peut que vous accuser. Si vous avez promis de faire des voyages, mais que vous n'avez pas dit à la personne que vous aviez des problèmes d'argent... Ça peut pas aller. C'est sûr qu'elle va vous accuser. Elle va vous dire, tu m'as promis de venir me voir, de ci, de là. Alors qu'il y avait une distance. Donc, il faut venir à la correspondance. Je vous montre un peu les cartes. Donc, voilà.
que vous ayez un peu le temps de voir. Et suite à ça, eh ben, il y a certaines personnes qui se sont senties trahies. Alors, où il y a eu une vraie trahison, où vous êtes senti trahi. Donc, on va essayer de savoir. Alors, c'est dans vos rêves. Déjà, vous rêvez beaucoup. Vous voulez réaliser vos rêves. Donc, les accusations, pour moi, avec le temps, vous allez réaliser vos rêves. Et je pense que votre rêve, c'était surtout de voir votre autre, d'être avec lui. Vous ajuster, c'est peut-être il ou elle. Vous ajuster par rapport au couple que vous êtes. Votre rêve de famille, même s'il y a la distance, ça va venir. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a même il y a une vipère derrière. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu le bouclier, cadeau étant. En vérité, le cadeau, c'est le temps, face au vipère. Je pense que votre autre a besoin de travailler sur les vipères, sur ce qu'il veut vraiment, fonder une famille et enlever les vipères qu'il y a autour. Donc, travailler dessus. Donc, le temps, pour moi, c'est vraiment le cadeau sur votre relation. Je pense que c'est quelque part une protection. Peut-être aussi de sa part. Peut-être qu'il vous le dit pas, il vous l'exprime peut-être pas correctement, il a peut-être pas les bons mots, et que vous, mais finalement, vous vous retrouvez peut-être dans les accusations, ou à lui faire des accusations, parce que vous ne savez pas, vous savez pas tout. Il y a la trahison. Donc, il y a quelqu'un autour de la famille, de votre autre, qui a trahi vos rêves, en tout cas, à vous deux. Alors, je dis famille, ça peut être l'amitié, parce qu'il y a les amis, il y a famille, joie, amitié. Voilà. Donc, ça peut être autant des amis ou quelqu'un de très proche de vous, qui a trahi. De vous ou de votre autre, hein, qui a fait comme une sorte de trahison. Peut-être qu'il a menti, peut-être qu'il a dit des fausses choses sur vous. Et finalement, ben, vous vous sentez trahi. Et vous avez vos rêves trahis aussi. Eh oui, ça tombe toujours où il faut pas. C'est toujours comme ça. Ah, là, c'est carrément le jeu. Eh ben, j'ai tout fait tomber. J'ai fait tomber carrément deux jeux. Excusez-moi, hein, je suis en direct. Donc, ben, vous voyez tout. Je vais déplacer la table. Parce que là... Voilà, c'est bien ce que je... Bon, ben on va laisser la table un peu. Donc, comme j'ai deux jeux là mélangés, 2 minutes. Je fais tout en direct. Hein. Les petites bêtises, ça arrive. Je dois toujours mettre ma table sur roulette. Je n'ai pas le courage de la porter. Disons, je n'ai pas la force de la porter en ce moment. Ça m'est déconseillé.
Donc, voilà. Pourquoi cette carte est encore tombée? La tranquillité. Je pense qu'il y a un message sur la tranquillité à passer. Oui, qu'est-ce que j'ai ma boulotte? Oui, j'ai poussé le fauteuil. Tu veux monter? Allez, monte. Allez. Excusez-moi. Allez, tu veux voir tout le monde? Ils ont tout le monde veut te... Oh, bébé d'amour. Oui, qui t'es beau. Mmh. Échec. Ben oui, pour vous, l'échec, ça a été la trahison a été un échec. Ça ne veut pas dire que ça... Puisqu'il y a la joie au-dessus, la personne qui a trahi se retrouve logiquement en échec. Mais ça peut être l'échec sur la joie aussi après. Si peut-être que vous vouliez faire une... avec la personne et que vous vous sentez trahi au final. On va voir avec l'autre jeu. Ça aidera mieux à tout mettre au clair. Ah ben oui, mais je peux pas faire les cartes. Oui. Tu sais que le gémeau, tu dois pas me faire des bisous en direct. Hein. Oui, c'est pas con. Je le sais. Oui, je sais ma poulette. Je sais. Je crois que ça ne veut plus parler. Il y aura quand même des compromis. Donc, ça ne veut plus parler. Je le laisse et on va. Je ne vais pas me prendre la tête plus longtemps. À essayer d'avoir plus de cartes. À mon filou. Ça te gêne? Mais je peux pas tout faire. Avec maman déjà dans la chambre. Il y a quand même pour certains de la fidélité en amour. Hein? Au moins une des personnes. Élévation sur la fidélité. C'est beau. Famille, élévation encore. Et vous voyez, je coupe hein, devant vous. Non, pour la famille. Une question sûrement que vous posez. Peut-être non pour, par rapport à la trahison, puisqu'on a parlé de trahison et d'échec. Voilà. Après, personnellement, on va voir les cartes. Ah, adultère. Donc, pour moi, ça va avec la trahison. Hein. Je suis désolée. Hein. On va voir ce que les cartes veulent nous dire avec l'adultère. Oh, toi, tu vas pas me tromper. Hein. Je sais, si, avec une autre femelle. Ah ouais, mais c'est pas pareil. Mais ton amour est fidèle, je sais. Eh oui, mon boubou. Chance. Aujourd'hui, les jeux ont décidé d'être compliqués pour moi. Vous avez de la chance sur l'adultère. Waouh, c'est beau. Tu me trompes et j'ai de la chance. Waouh. Je ne sais pas où est la chance, mais bon. Hésitation. Carrefour. Ben. Alors là, c'est encore plus compliqué. Je sens que je vais faire beaucoup de tirages là. Je sens que dans une heure, je suis encore avec vous. Hein. Je n'aurais pas tout compris. Pourtant, c'est des cartes simples à la base. Toujours le nom. Non à l'hésitation. Il fait la même tête que moi au final. J'arrive pas à comprendre vos jeux. Non, je rigole. Ah bah, en tout cas,
Il me contrarie ce jeu ce soir. Clairvoyance. Filou, transmets-moi le message. Ah, s'il te plaît. Ah, mon bébé, oui. Oui, tu veux? Tu veux des mamans? Oui, mon bébé. Il y a de la clairvoyance. T'es clairvoyant? Ah. Oui. Été. J'ai deux cartes en même temps, sérénité et plaisir. Donc, bon déjà, on sait que d'ici l'été, vous aurez la sérénité et le plaisir. Donc, on va voir. L'adultère a peut-être été une chance, parce que ça vous a permis de prendre pour certaines personnes un carrefour de votre vie. Vous vous êtes dit, non, je ne veux plus être dans l'adultère. Vous avez eu la clairvoyance sur ça. Et d'ici cet été, vous aurez la sérénité et du plaisir. Là, c'est la première ligne qui me sort. Je vous montre aussi encore. Vous pouvez voir. Mais on va voir. On va encore... Donc, il y a quand même eu bien trahison. Et il y a bien... Vous êtes bien clairvoyant. Donc, vous savez qu'il y a quand même eu... Il y a un carrefour qui vous apportera de la chance. La chance est ressortie deux fois. La clairvoyance aussi. La trahison comme l'adultère, entre guillemets, pour moi, c'est une trahison aussi, ressort. Après, on va voir. Les plaisirs, bon, il y a eu les joies. Donc, plaisir et sérénité. La carte de la tranquillité m'est tombée quand même deux fois comme ça en plus. Donc, on va voir. Je sais, Filou. Eh ben oui, mais bon. Oh, maman, c'est comme ça. Travail. Vous devez travailler sur... Alors, ça me fait penser à... Sur l'adultère. Ça me fait penser sur... une vidéo YouTube que j'ai regardée hier sur la trahison. Il y a plusieurs formes de trahison. Et je pense que vous devriez... si vous voulez, je peux vous la demander en commentaire et je vous donne le nom de la vidéo. Qui disait qu'il y avait plusieurs façons... manières d'adultère. Donc, si... D'infidélité, surtout. Si vous voulez que je vous le partage, il n'y a pas de souci. Et je pense que vous avez un travail à faire. Ça veut dire que c'est peut-être la chance de travailler dessus. Parce que, étant donné que, au final, la personne a dû vous dire « Non, je ne veux pas rester avec toi parce que tu me trompes. » je pense que vous avez un gros travail à faire. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui le fait par plaisir ou ne peut pas s'empêcher sexuellement et qu'il faut en parler parce que des fois, il y a des choses à définir dans le couple. Est-ce que vous voulez que ça soit un couple comme ça, que chacun aille de son côté, mais pas qu'une personne, hein? Il faut que ça soit des deux côtés. Et travailler dessus. Donc, sur ça, il y a aussi des psychologues. Je ne suis pas là pour vous faire remontrance ou quoi que ce soit. Personnellement, je m'en fous complètement. Mais c'est un travail à faire. Et c'est une chance de le savoir et que la personne, elle a pris son carrefour, a dit non, non, je ne veux pas l'adultère. Voilà, tu dois travailler dessus. Moi, si j'ai une relation avec toi, je veux... être en sérénité, moi, ma vie, c'est pas de trahison, c'est une famille, basta. Donc, dans un sens, elle a eu raison. Et s'il y a eu de la correspondance avec... des,
des accusations, au final, je comprends cette personne, puisque, bah oui, elle a peut-être pas envie d'être dans une triangulaire. Boomerang. Donc, retour. Alors là, le boomerang, ça peut être boomerang, il va revenir. Ça va être votre chance. Ou boomerang, le problème, c'est que ça va revenir dans la tête à monsieur. Monsieur ou madame. Qui c'est qui a trompé? Le boomerang, suite à la mort. Ancrage. Renouveau. Oh là là, excusez-moi. Excusez-moi, excusez-moi. En plus, j'ai le nez qui me gratte en même temps. Donc c'est super, quelqu'un veut m'embrasser, je sais pas qui, et je veux pas savoir où est mon chien. Genre, je sais, il me regarde d'un air... Oh. Sans dire, si je pourrais te sauter dessus, te faire plein de bisous, il le ferait. Hop. Argent, bah ça ressort. Hein. Confiance, créativité, vérité. Bon, moi je vois que, bon, bien sûr, vous devez faire un travail sur l'adultère. C'est une chance et quelque part, le boomerang avec la mort, c'est le carrefour, c'est pour le moment, c'est la mort du couple, entre guillemets. Mais pour pas qu'il y ait mort du couple, parce qu'on vous dit non, donc non, ça sera pas la mort, il faut travailler sur l'ancrage. Pour pouvoir refaire un renouveau, parce que vous êtes bien clairvoyants tous les deux, que vous savez que vous vous aimez. D'ici cet été, l'argent va revenir. Donc, bon, c'est vrai qu'avec la situation actuelle, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en stand-by. Il faut faire confiance à votre clairvoyance. Pour certains, remettre votre créativité. Excusez-moi. En route, et oui, c'est la vérité. Et je voudrais savoir pourquoi c'est la vérité. Est-ce que ça me sort ou je dois prendre un autre jeu? Vigilance en dos deck. Ça ne me plaît pas. Non, je vais prendre celui-là. C'est plus facile. C'est pas qu'il est plus facile, c'est qu'il donne des fois des réponses pour moi plus simples. Surtout quand j'ai un jeu compliqué comme ça. Ils ont un jeu. Une guidance. Pardon, je dis un jeu. Non, c'est pas un jeu. C'est une guidance. Parce qu'on ne joue pas quand on fait ça. Quand on vous transmet les messages, on ne joue pas. Rapidité, il y aura la mort suite à quelque chose,
Ça va travailler dans la tête de votre autre, il ou elle. Balayage du passé. Rapidité, bon, bien sûr, puisqu'à l'été, pour le temps, c'est rapide. Mais tant que tout rentre dans l'esprit de monsieur ou madame, il faut des fois plusieurs mois. Et après, tout mettre en place aussi. Oups. Yes. Je vous montre. C'est vrai que je vous montre pas. Je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, mais je vous montre pas les cartes. Pardon, mille excuses. Sexualité. Le repos. Excusez-moi, vous avez un certain âge et le fait d'avoir des relations sexuelles vous fatigue, je suppose. Non, je rigole, c'est le petit moment de détente. J'ai besoin de vous. La justice. Enfant naissance. Bon, ça peut être le renouveau, hein. Si vous voulez. Protection, travail. Ouais, elles sont plus petites, j'ai pas fait attention. La crotte, 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 crotte. Excusez-moi. Je travaillerai mieux comme ça. Donc encore trois. Beauté, luxe. Foyer. Amour. Ah, ah, une bonne carte. Là, je vais me reposer. Bon. Alors. avec rapidité, il y aura la justice sur la mort du couple, entre guillemets, qui va faire travailler votre autre, un renouveau, peut-être une naissance aussi qui va faire travailler aussi le mental de monsieur ou madame. Si c'est une naissance, ça sera monsieur. Il va prendre une naissance, peut-être que, oups, ça va le remettre en esprit. Et peut-être que c'est que le renouveau du couple, puisqu'il y a eu le renouveau. Vous êtes protégé, donc même s'il y a eu la mort du couple, entre guillemets, son amour, séparation, voilà, je préfère dire ça, vous êtes protégé. Il y a un travail à faire, bien sûr, sur le balayage du passé, parce qu'il y a des personnes à enlever. Des fois, c'est des personnes qui sont là depuis longtemps et qui ne sont plus appropriées à votre façon de vivre à l'heure actuelle, et ou qui n'accepte pas peut-être votre autre ou dans tous les cas. Vous voulez travailler aussi pour apporter, on dit beauté luxe, non, moi je pense plutôt plus de la prospérité, de l'abondance, à être bien dans le foyer. Vous voyez votre autre comme, surtout ce que je vois, une personne belle. Vous voulez peut-être aussi lui apporter du luxe, de la beauté, lui faire plaisir, des cadeaux et tout. C'est un truc que vous allez pouvoir faire, entre guillemets, avec le travail. C'est une personne avec qui vous voulez vieillir, avec elle. C'est pour ça que j'ai parlé vieillesse, sexualité, repos. Vous avez besoin de repos aussi de temps en temps, après certains actes, excusez-moi. Mais en tout cas, non, c'est, pour moi, c'est jusqu'à la vieillesse, le repos, et vous allez retrouver le repos de l'amour.
Voilà, quand vous aurez réussi à travailler sur le balayage du passé, le renouveau de votre couple qui est protégé, c'est pour ça que vous êtes clairvoyant aussi sur tout ça, vous allez retrouver bien sûr du travail parce que je pense que le mental vous joue dessus et vous êtes en problème pour le moment avec le travail et qui ne vous permet pas d'avancer dans votre couple, qui aussi a amené des problèmes, des disputes aussi. C'est peut-être aussi peut-être pourquoi vous vous êtes senti trahi. Peut-être aussi qu'il y en a certains qui sont allés à l'adultère pour X ou X raisons. Mais bon, ça ne me regarde pas non plus. Le principal, c'est que moi, ce que je vois, suite à une sexualité qui va revenir, un balayage du passé, vous allez vous retrouver. Bien sûr, il y a le travail à faire sur le balayage du passé avant tout. Après, vous allez retrouver votre couple, faire un foyer et retrouver bien sûr l'amour. Voilà, c'est surtout ce que je voulais savoir. C'était les cartes principales. Vous avez des doutes sur une porte. Bien sûr, ce qui est un peu normal. En doute deck, on avait la découverte. Vous allez découvrir, pour moi, jeunesse, corps d'abondance, déplacement en route, dans l'été. L'été avec sagesse. Il y a eu une mauvaise base de départ. Voilà, donc vous êtes peut-être mal compris sur... moi, je vois la route peut-être sur un voyage qui devait se faire et qui n'a pas été qui s'est mal déroulé. Et que vous... j'ai des cartes à l'envers, à l'endroit. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'aime bien travailler avec un jeu avec à l'endroit. Si logiquement, on ne doit pas regarder. Je prends les cartes. Si elle tombe à l'envers, c'est que je dois prendre à l'envers. Mais quand j'ai des cartes qui sont, pour moi, à l'endroit, à l'envers, pour moi, mon jeu n'est pas correct. Je ne sais pas. C'est ma façon de travailler depuis le début, depuis très très longtemps. Et je travaille comme ça. Je n'arrive pas. Les cartes, de toute façon, elles tombent. Si c'est dit que ça doit être à l'envers, elles tomberont à l'envers. Donc moi, personnellement, j'aime travailler avec des cartes dans le bon sens. C'est peut-être psychologique. C'est comme ça. De toute façon, si elles doivent tomber à l'envers, je les prendrai là à l'envers. Ça veut dire autre chose. Voilà. Pour le moment, c'est le désert. Hein. Vous ne parlez pas. Il y aura la fusion. Après une vérité. C'est ce que je ressens. Ça va mieux. C'était le début. Je pense que ce week-end a été un peu... Pourtant, j'ai de la joie quand même. Avec le temps, fusion avec le temps. Vous allez avoir des écrits, vous êtes protégé. Donc, vous allez refusionner avec le temps suite à des écrits et votre couple est protégé. Suite à une erreur, peut-être que vous avez cru que votre autre a croqué la pomme. Mais bon, c'est une erreur. Ce qui a donné la fin. Et vous voyez, bon là il y a écrit fin, mais là vous avez quand même la vipère. Donc il y a peut-être une personne qui a fait aussi une trahison. Mais ça peut être quelqu'un à côté, ce qui a mis le doute dans votre couple.
la femme. Et bien sûr, elle s'est sentie trahie. Donc, elle a mis les armes. Il y aura une élévation. Ah, il y a un adversaire. Eh bien, c'était ça. Il y a un adversaire au niveau de la femme. C'est pour ça qu'elle sort les armes. Donc, la femme est protégée, en tout cas, même votre couple, mais surtout la femme. Suite à son adversaire. Réussite. Donc voilà pourquoi il y a le mot la découverte. Mensonge. Vous êtes protégé suite à des mensonges. De la famille, pour moi, je vois. Famille ou quelqu'un de proche, je parle. Hein, parce que des fois, il y a des personnes que vous considérez de votre famille. Ça peut être une grande amitié. Vous allez avoir une porte, la femme va avoir la porte. Vraiment connecté et il y a la renaissance, donc naissance ou renaissance pour certains, mais vous êtes connecté, vous avez la clairvoyance, donc pour un renouveau, vous allez avoir la clairvoyance de repartir sur un renouveau sur votre couple suite à des mensonges adversaires. Peut-être que quelqu'un a menti sur vous. Et qu'au final, cette personne va être désarçonnée, quoi, découverte. Voilà. Décider du résultat. Mais en vérité, c'est vous que vous allez prendre le choix. Remerciez Dieu. Persévérez et brillez de tous vos feux. Vous n'avez pas peur. Donc, n'ayez pas peur, hein, en tout cas. Donc, pour certaines personnes, moi, ce que je vois, c'est suivez votre intuition et passez des bons moments en attendant que votre autre, surtout, laisse envoler le passé et qu'il fasse bien le tri. Voilà. C'est dur, des fois. C'est vrai que c'est dur, souvent, quand on aime une personne, d'être loin de la personne. Je ne dis pas le contraire. Tenez bon, voilà, je vous dis courage, c'est dur pour tout le monde, surtout qu'un des personnes adverses, il y en a toujours, dans toutes les familles, il y a toujours des problèmes et tout, des fois c'est plus ou moins compliqué, surtout s'il y a la distance, si vous ne vivez pas ensemble, c'est sûr que ça peut que être encore plus compliqué. Voilà, donc je vous souhaite du bon courage,
Et sur ce, ben, je vais quand même vous tirer peut-être une petite carte au cas où s'il a un petit message à vous dire d'amour pour vous remonter peut-être un petit chouïa. Vous voyez, même ces cartes, hein, j'aime pas les voir à l'envers. Et pourtant, hein, elles sont toutes à l'endroit. Hein, mais je n'aime pas. Un petit message d'amour de votre autre. Allume-moi l'âme. Ah ouais. Faut retourner à la communication. J'essaie de. Mais bon, c'est vrai que si vous parlez bulle. Je me suis voilé la face en ne voulant pas voir les problèmes. Oui. Je te laisse parce que je t'aime. Tes bras qui me serrent fort seraient juste parfaits à cet instant. Donc, je pense que là, c'est vous qui le dites. Je pense qu'il vous a lésé parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Et il n'a pas vu tous les problèmes qu'il y avait. Il n'a pas tout analysé et il n'a pas vu que ça allait peut-être vous faire du mal. Donc voilà, je me suis voilé la face en ne voulant pas voir les problèmes. Je pense que ben, il n'a pas vu tous les problèmes que ça pouvait engendrer. Que vous avez besoin de lui, mais de l'autre côté, ben oui, ça a mis des disputes entre vous. Donc il vous dit allume-moi l'âme, c'est plutôt lui qui devrait vous allumer l'âme, entre guillemets. Mais bon, je te laisse parce que je t'aime, ce que je peux comprendre. Peut-être que c'est une forme de protection. En attendant, le temps qu'il règle les soucis. Mais le dialogue, c'est mieux que de rester muet. C'est des conseils que je donne, des fois il vaut mieux parler. Il vaut mieux s'engueuler, une bonne engueulade et. Mais au moins l'autre sait où il va. Voilà. Sur ce, mes boubous d'amour, je vous fais de gros gros bisous et je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous. Mouah.